Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformés en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, passé en cycle. Le parti fera sans nul doute l'opposition au régime de la Sécurité. Voilà. Fraîche et bonne matinée à tous. J'ai à toutes. Mbote Nabino. Bonjour. Amjambo. Bonjour. Plus particulièrement, monsieur Jean-Marc Kabund. Et merci beaucoup pour ta sortie médiatique spectaculaire, à travers laquelle tu t'es lancé dans une attaque frontale contre ton collègue, ton ami, ton frère et ton complice, monsieur Félix Tshilombo. C'est de la bravoure. Que d'aucuns ne peuvent ignorer de dénoncer ces mots auxquels tu es partisan. C'est comme si tu t'es tiré une balle dans les pieds. Alors que tout ce que tu dénonces là, tu es parmi les artistes, le faiseur de ce mot. Une fois de plus, bonjour à tout le monde. Hier donc, nous avons été invités par Jean-Marc Kabund à estimer et admirer la vue spectaculaire de sa grande villa, qui est comme un bateau touristique. En dénonçant les mots qu'il a dénoncés, il ne nous a pas dit où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour construire une si grande maison comme ça, pimpant neuve, pour se mettre à accuser son collègue qui fait autant. Eh bien, très chers téléspectateurs, le Congo est une fabrique des opposants, une usine de production des opposants et des partis politiques. Mobutu nous a habitués à cela. En son temps, il nous a produit un certain Étienne Tshisekedi, de malheureuse mémoire, lequel pendant la journée il était opposant farouche et la nuit ils sirotaient tous le vin ensemble. Et puis sa mémoire est restée de génération en génération. Il est resté le plus prestigieux opposant au Congo, paraîtra-t-il, contre le maréchal Mobutu. Et après, Mobutu a produit Dengouns à Karl Bond. Il a produit beaucoup d'autres opposants.
mais qui lui était resté fidèle dans les coulisses. Et cette pratique, cette stratégie, s'est ramifiée au niveau des orchestres au Congo. L'orchestre kinois de jazz, qu'on appelle Lock Jazz, du fait Franco, avait produit VV, de Verkis Kiamongana. Kiamongana a produit Sosoliso, du trio Majesty. Sosoliso a produit Sakayonsa, de regretter Mbole Tambwe. Zaiko Langalanga a produit Zaiko Wawa, Zaiko Familia Day, et Patati et Patata. Et la dernière marque de voiture des opposants qui sort de l'usine depuis hier, elle s'appelle Jean-Marc Kabound. Il n'y a que des naïfs qui peuvent croire à ce que Jean-Marc Kabound a dit hier. Et comme les Noirs et les Congolais plus particulièrement sont plus naïfs, ils ont ovationné ses propos, croyant que c'était de révélation. Après, dans tout ce qu'il a dit, il n'y avait rien de révélation. Rien de révélé, parce que qui dit révélation dit exposition ou dénonciation de ce qui est caché, de ce qui est inconnu. Mais voyons, il a parlé de l'incompétence de son président. Il a parlé de détournement de deniers publics. Entre autres, la fraude du RAM sur la téléphonie mobile, la taxe de la téléphonie mobile. Il a parlé de l'insécurité au pays et de l'incompétence de celui que vous appelez président à ne pouvoir ramener et assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens dans le pays. Il a parlé de voyages dépensiers de ce même président, il a parlé de la confrérie de ce même président, ce frère, sa soeur, ses amis, qui pillent les biens, les ressources du pays. Il a parlé de la jouissance, que c'est une équipe de jouisseurs. Et patati, et patata. Mais il a parlé aussi, pour ne pas oublier, de la stratégie de fraude mise en place par son président pour chercher à briguer un second mandat, en nommant des gens tels que les Kadima et les Kambuleta, etc., à la tête du bureau de la CENI. Ah ben, de tout ce qu'il a énuméré là-bas, pour ceux-là qui suivent l'actualité politique au Congo, y a-t-il quelque chose de neuf? Quand vous suivez les médias congolais, c'est de ça dont on parle au quotidien. Tous les débats, toutes les discussions, tous les shows, mais on ne parle que de ça. Qu'est-ce qu'il a dit de spécial qui peut émouvoir les gens? Nous sommes habitués à ça. C'est à ça que nous nous attaquons depuis longtemps pour ceux-là qui sont réellement dans la véritable opposition. Ce que je peux peut-être vous révéler, c'est l'énigme cachée dans la dénomination de son parti, pour vous prouver qu'il n'est pas opposant,
ni ceux-là qui se targuent des opposants tels que les gens de PPRD, les gens de FCC. Leur nom cache une même signification. Il nous apprend que son parti s'appelle l'Alliance pour le changement. AC en sigle. Une alliance, c'est une union. Retenez ces mots. Et puis, il y a son prédécesseur, Front commun des Congolais, FCC. Et pour ironiser, nous pouvons dire Front commun des cons congolais, FCC. Un front, c'est aussi une union. Et son ami qui venait de quitter sa carrière politique, d'après lui, Nassim Soriano Dagnano, alias Moïse Katumbi, a créé un autre parti qui s'appelle Ensemble. Un ensemble, c'est aussi une union, etc. Vous trouverez cette énigme derrière les noms de ceux-là qui se disent opposants ou qui se disloquent ou qui se séparent des autres partis précédents, que le sens n'est que unique, union. C'est pour vous dire que ils sont tous le même parti avec plusieurs branches, comme les branches et les herbes sur un arbre. C'est le même parti. Et cela n'est pas différent des confessions religieuses. Vous trouvez les musulmans, les catholiques, les bouddhistes, les brahmanistes, les mormons, les témoins de Jéhovah, l'église anglicane, l'église ceci et cela, ceci et cela. Ils sont tous les mêmes. Vous pouvez les identifier parfois par leur accoutrement. Ils portent de longues robes avec des ceintures au niveau de la hanche. Ils portent des calottes sur la tête. Ils ont des chapelets. Ils ont beaucoup d'artefacts à leur corps pour vous prouver qu'ils sont tous les mêmes. Ils parlent parfois de la même façon, d'une manière charmante. Et quand vous ne les observez pas très bien et ne les écoutez pas attentivement, vous croirez qu'ils sont différents. Et les musulmans, et les catholiques, les chrétiens sont différents. Ils ne sont pas différents. Ce sont les mêmes gens. Il en est de même avec des partis politiques chez nous au pays. Vous avez suivi plusieurs réactions de ceux-là qui s'appellent des opposants et qui se sont mis à les vilipender, à les insulter, à insulter Kabound. Eh bien, tous souffrent d'un seul complexe. Un complexe que je peux appeler le crabisme, le complexe du crabe. Ils sont tous dans un même panier, ils sont tous dans un même bassin, et chaque fois que l'un d'eux veut sortir du panier ou du bassin pour s'en aller, on le tire par le bas. Entre eux, ils se pincent, ils s'écrasent, ils sont tous agités dans le crabe, et à la fin, il n'y a personne qui émerge. Tous demeurent au même diapason. C'est ça les partis politiques au Congo. En fait, la stratégie, c'est laquelle?
c'est distraire la population en cherchant à nous montrer que il y a des disputes entre eux et que tout celui qui voudrait parler, il vient parler au nom de la population, aux intérêts de la population, alors qu'au fond, ce sont délégués de la même loge maçonnique qui prend la population en otage. Qu'est-ce que Jean-Marc Kabound peut dire à la population congolaise? Alors qu'on sait qu'il a des liens avec les occupants, entre autres Azarias Surberwa, et toute l'élite mafieuse, Tutsi, Tufi chez nous. Les images circulent quand il était à Kisantu, montant sur un cheval. Les images circulent quand il défend ou défendait son actuel président en disant que personne ne peut s'attaquer au pouvoir de son président. Personne ne peut le déstabiliser. Les images sont là. Comment peut-il nous prouver aujourd'hui que lui s'attaque à ce même pouvoir et qu'il veut le déstabiliser? C'est totalement paradoxal. Il est amnésique. Il souffre de quelle maladie? Je ne pense pas qu'il souffre d'une maladie. C'est un attaquant de pointe envoyé par la même loge maçonnique qui fait souffrir le peuple congolais. Kabound n'est pas un opposant, même s'il dit que l'objectif poursuivi, c'est d'être en partie d'opposition, il ment. Il est parmi les créateurs de FCC, de l'Union Sacrée. Pourquoi, en son temps, n'avait-il pas dénoncé les mauvais élans de son président? L'Union Sacrée, le PPRD du Rwandais Tufi Hippolyte Kajambere Kanambe, qu'on appelle faussement Joseph Kabila, c'est ce même parti qui lui a confié les pouvoirs. Donc, il est une créature de Joseph Kabila, entre guillemets. Alors, il veut se poser à qui? Ça nous renvoie dans la Bible. Où Satan, qu'on nous dit qu'il était ou qu'il est une créature de Dieu, a cherché à s'opposer à Dieu. Ignorant qu'il a été créé par ce même Dieu. Et Dieu, pour chercher à berner l'humanité, il a présenté Satan comme étant le malfaiteur et demandé aux pauvres gens que nous sommes à prier et à combattre Satan, alors que Satan a le même pouvoir que lui. Lui, Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, n'étant pas capable de tuer Satan. Il nous demande, nous, les petites gens qui n'avons aucune force, aucune puissance, de nous opposer à un superpuissant tel que Satan. Dieu jouera donc à l'hypocrisie. C'est la même chose. Depuis quand Félix peut s'opposer à Hippolyte Kajambere Kanambe, alias Joseph Kabila, alors que c'est grâce à lui, au Tutsi, au Tufi et à Paul Kagame qu'il est devenu président. Un poste qu'il n'aurait jamais occupé dans sa vie. Il ne peut pas s'opposer à Joseph Kabila. Et lui,
Jean-Marc Kaboun, comment peut-il s'opposer à Félix Tshilombo? Alors que ils sont tous dans la même loge. Ils ont tous soutenu la même organisation de PPRD qui leur avait remis le pouvoir. Parce qu'ils n'ont jamais été élus, ils n'ont donc pas le mandat du peuple. Alors lui va s'opposer à quoi? Et vous, le Congolais, qui l'applaudissez, je sais qu'à partir de maintenant, il y a des militants de l'IDPS qui vont plier leurs valises et vont traverser la frontière pour devenir qui de secrétaire général de ce parti moribond, qui de militants assidus, qui de parlementaires debout, ceci et cela pour chercher à se trouver un poste quelconque. Et tout ça, ça reflète la naïveté, la mendicité, la flatterie de la personne congolaise que nous sommes. Nous manquons une certaine constance. Tellement émotifs que nous sommes, les gens se sont mis à applaudir. Et il fallait voir des titres dans les réseaux sociaux, surtout en Lingala. Kabundi a Panzimboka. Kabundi a Poiti. Tu sais qu'il dit. Pour dire qu'il a dévoilé les secrets, il a exposé, il a massacré un public. Eh bien, l'opposition frontale de laquelle tu te targues, peut-être depuis hier, tu penses que ça a fait flotter et Félix Tshilombo. Toi, tu as un pseudonyme de maître nageur. Lui, depuis hier, il est devenu maître flotteur. Il a tangué un peu, hein, avec tout ce que tu lui as dit. Mais je pense là où il était dans son coin. Il souriait et se moquait de toi parce que il savait que tu travailles à son compte. Tu n'as rien dit de spécial que les gens ne savent pas. Ce qui était spécial, c'est ouvrir ta porte aux médias et à de nombreux badauds qui sont venus là-bas pour voir la splendeur de ta grande villa. C'est ce qui était spécial. Pour prouver que tu es un traître, la simplicité de ton accoutrement, surtout en portant ce chapeau de l'IDPS et en citant fait Étienne Tshisekedi, toujours avec le titre grandiloquent de docteur en droit, prouve que tu n'as pas pris distance de cette organisation mafieuse et de traître de l'IDPS. Étienne Tshisekedi étant le plus grand traître que l'histoire de la politique congolaise ait jamais connu. Tu as continué à lui faire des louanges en citant son nom en public comme docteur, comme ceci et cela. Alors que le plus averti des Congolais sait très bien que Félix Étienne Tshisekedi est un traître de renom, un menteur, un traître pour me répéter, et ce soi-disant fils a hérité les mêmes méthodes de traîtrise, de mensonge et de vol. Cela n'est pas différent de toi et ne sera pas différent de toi. Cessez de vous moquer du peuple congolais.
cette moquerie doit prendre fin. Cessez de vous moquer de nous. Les Congolais, Nasengi Nabino, Bondimila Kabundete, n'ayez pas une mémoire courte. Azali Munguna, au même titre que Félix, que Kanambe, que Moïse Katumbi, que Muzito, que Jean-Pierre Bemba, que Fayulu. Ce sont tous, comme on le dit vulgairement, les oiseaux de même plumage. Ce que nous devons faire, c'est aller ko zwa batwana ko kanga bango, ko juger bango, pe ko beta bango masase bango tout. Comme on avait fait avec l'ancien président roumain Nicolae Ceaușescu. C'est ce qu'on doit faire de tous ces gens-là qui nous distraient. Personne d'entre eux ne porte le flambeau du salé. Je suis Mandemo, VIP. Je m'adresse VIP Kilkilele pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbavita, de Kimbangu qui n'a jamais été chrétien, qui n'a jamais créé une église, de tous les martyrs congolais, de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit. Bonne journée. Ba congolais nyo sotu ba ngba iba il faut battre la racite nini. Ah, soko uzali congolais ya solo et sengeli ota la bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Eh, tembete. Ozasi. Soko di congolais ya solo o kokiko zanga mokolo mokote et sengeli ota la bobele Congo dialogue. Oyeba makambo uzali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za congolais ya solo. Yango bana. Papa kunzeta lobi yango. Foko tala ka. Tina yangu ngai pina yeba kama kamu makolega kuna na bosa nate. Ota la kapeka ka Congo dialogue. Tembete. Yeah. Ata nazali Congolais so ata ba mendele kwa kuki kota la. Congodialogue.com